Un important déploiement des forces de l'ordre à Talmont-Saint-Hilaire. Une vaste opération de contrôle routier a été organisée. Objectif, épingler les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. En 2h, 28 infractions ont été relevées, 3 permis ont été suspendus. Ce dispositif important de gendarmes avait aussi pour but de marquer les esprits, car ces dernières semaines, le bilan de la sécurité routière s'est particulièrement alourdi. Depuis le début du mois d'août, 12 personnes ont été tuées, ce qui porte à 39 le nombre de morts depuis janvier. C'est 14 de plus que l'an passé et près d'un tiers des victimes étaient des jeunes. Ce sont des morts qui auraient pu être évitées en respectant le code de la route. La vitesse et l'alcool au volant sont les principales causes des décès en Vendée. Les gens regardent aussi leur téléphone portable en conduisant. Certains brûlent des stops, des feux rouges. Tout ça peut être largement évité. Et le préfet de la Vendée en appelle à une responsabilité collective de tous. Tous ensemble, nous pouvons faire baisser ces chiffres de la mortalité routière sur les routes de Vendée.